Bonjour et bienvenue pour cette 30e édition de Easy Weekend Project. Aujourd'hui, dans notre tutoriel, je vous présente le schéma de moniteur de niveau de batterie. Dans la 29e édition, c'est un moniteur de niveau d'eau. Maintenant, je vous présente le schéma. Voici notre schéma. Très facile à réaliser, très peu coûteux, très peu de composants dans le fond. Il se divise en 6 canaux. Voici la conception d'un des canaux. Il est composé d'une résistance variable, une résistance de 470 ohms. Notre résistance variable, c'est une 10 kΩ, d'une diode Zener de 10 volts, d'un transistor PNP, le BC557, et d'une LED indicatrice. Notre résistance variable de 10 kΩ, ajustée à 26,9%, c'est pour ça qu'on prend une résistance variable de précision, va nous donner une résistance de 2,69K. Notre curseur relié à la cathode, ça va alimenter notre base pour permettre à notre transistor PNP de conduire et d'alimenter notre LED indicatrice. Ajustée à 2,69K, notre tension va laisser notre LED allumée de 13,5 volts et plus, nous indiquant que notre batterie est full, est pleine. En réajustant la résistance variable à 28,1%, c'est-à-dire à 2,81 kΩ, notre LED 2 va rester allumé tant qu'on a 13 volts et plus. Notre troisième canal, notre LED indicatrice de niveau bonne de 12,5 et plus va rester allumée tant qu'on ne baissera pas en bas de 12,5. Et ainsi de suite pour les autres canaux. La résistance variable a été ajustée pour obtenir une indication de 13,5 volts et plus, de 13 volts et plus, de 12,5 volts et plus, de 12 volts, de 11,5 volts et de 11 volts et plus. Donc en principe, lorsqu'on branche notre moniteur sur la batterie, les 6 LED vont être allumés si la batterie contient plus de 13,5 volts. À partir du moment où on va baisser en bas de 13,5 volts, notre première LED va s'éteindre. En bas de 13 volts, la deuxième LED va s'éteindre. 12,5 volts, la troisième LED va s'éteindre. 12 volts, la quatrième LED va s'éteindre. 11,5 volts, la cinquième LED va s'éteindre. Et notre dernière LED à 11 volts. Un petit peu plus tard, on va ajouter à ce circuit, à ce schéma, la possibilité, soit sur Q5 ou sur Q6, on va y rajouter quelques composants pour activer le chargeur. Mais allons voir comment ça fonctionne. Ici, j'ai simulé une batterie avec un petit schéma pour nous indiquer le niveau de la charge. Donc, j'ai une batterie de 13,98 volts parce que j'ai une chute de 183 millivolts à cause de la résistance R8 que j'ai mis ici, qui va simuler la décharge d'une batterie qui va être en réalité un condensateur de 5 farads relié à une ampoule de 13,8 volts 50 watts qui va nous faire une déchargeante pour nous faire voir comment ça se passe. Actuellement, on a 13,8 volts au condensateur qui nous simule une batterie qui est en train de décharger. On va enlever l'alimentation. Déjà là, on peut voir que notre tension diminue. Notre LED bleue, nos 6 LED dans le fond, sont allumées parce qu'il y a plus de 13,5 volts. Actuellement, on est à 13,6 en chute. Notre LED vient de s'éteindre parce qu'on atteint les 13,5 volts.
Votre prochain niveau de cut-off va être à 13 volts. Donc, lorsqu'on va frôler les 13 volts, notre deuxième LED va s'éteindre, nous indiquant actuellement que la batterie est très bonne. Notre batterie continue à se décharger. On est rendu à 13,2 volts. Notre LED nous indique que la batterie est encore très bonne. Notre LED 2 vient de s'éteindre. Donc, on est passé sous le seuil des 13 volts. Et notre batterie nous indique encore, notre moniteur, c'est-à-dire, nous indique encore que notre batterie est bonne parce qu'elle contient 12,5 volts et plus. Donc, on peut dire que la batterie est encore bonne. Son niveau est acceptable. Tant qu'elle va maintenir une tension au-dessus de 12,5 volts, notre LED indicateur que la batterie est bonne va rester allumée. Et voilà, on a atteint les 12,5 volts. Notre troisième LED qui nous indiquait que la batterie était bonne vient de passer à moyen jusqu'à ce qu'elle atteigne 12 volts. En bas de 12 volts, notre quatrième LED va s'éteindre. On frôle les 12 volts. Et voilà, notre batterie atteint les 12 volts, donc notre moniteur nous indique que la batterie n'est plus moyenne, mais basse. Notre cinquième LED va rester allumé tant qu'on a 11,5 volts et plus. Son cutoff est à 11,5 volts. Grâce à la résistance RV5 qui est réglée à 31,7%, c'est-à-dire 3,17 kilo-ohms. On peut bien entendu préciser un peu plus la tension qu'on veut ajuster, le cut-off. On peut ajuster ou supprimer certains canaux si on veut. On va frôler bientôt les 11,5 volts.
La tension atteint les 11,5 volts. En baisse, notre LED 5 s'est éteint, nous indiquant que notre batterie est maintenant très basse parce qu'elle est sous les 11,5 volts. Le cutoff de notre sixième LED est réglé à 11 volts. Sous les 11 volts, notre LED 6, notre LED rouge, va s'éteindre. Notre résistance variable est ajustée à 33,2%, c'est-à-dire 3,32K, étant donné que c'est une résistance variable de 10K. Prochainement, on va ajouter à ce circuit d'autres composantes qui vont nous permettre, lorsqu'on atteint ce niveau, d'activer notre chargeur de batterie. Voilà, notre batterie a atteint le seuil des 11 volts. Trop basse. Donc, en principe, c'est là qu'on va mettre notre chargeur en fonction et on va laisser recharger notre batterie. Donc, on peut suivre la charge de notre batterie lorsqu'elle est en mode de recharge. Plus de 12 volts, maintenant plus de 12,5. On a maintenant atteint les 13 volts. Voilà, on a atteint les 13,5 volts. Et là, votre batterie va se charger jusqu'à atteindre son maximum. Allons voir nos composantes. Donc, pour réaliser ce schéma, on a besoin de 5 résistances variables de 10 kΩ, des résistances variables de précision autant que possible, 5 résistances de 470 ohms, 5 diodes Zener de 10 volts. Ici, je suggère le 1N5347, qui est une diode de 5 watts à 10 volts. Par contre, un demi-watt est amplement suffisant. On a 5 transistors BC557 de type PNP et 5 LED, 5 couleurs. Dans le fond, moi j'utilise bleu, 2 verts, une jaune, une orange et une rouge. Allons voir notre schéma 2D une fois tout ça relié ensemble. C'est ce que ça nous donne. Très facile à réaliser, très peu coûteux, très pratique surtout, surtout si on fait du camping, aussi pour vérifier le niveau des batteries, des systèmes d'urgence par exemple, pour s'assurer que les systèmes d'alarme ou d'éclairage, leurs batteries sont en fonction des tensions minimales requises pour faire fonctionner par exemple les UPS.
ici, c'est un moniteur qui était réglé pour une batterie acide plomb de 13,8 volts. On peut réajuster tous nos potentiomètres pour une batterie ion. Une batterie de 12 volts. Si on veut vérifier, par exemple, une batterie de 6 volts, on va changer nos diodes Zener de 10 volts. Et on va mettre des diodes de 4,5 à 5 volts maximum. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, cliquez sur j'aime. Je vous invite à vous abonner. Ça nous encourage à poursuivre avec d'autres vidéos. Pour ceux qui veulent un print screen pour imprimer notre schéma 2D, voici notre schéma électronique. Vous pouvez faire une pause, faire un print screen, imprimer le schéma. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de votre attention et au revoir.